aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débat qui porte sur une Nord-Coréenne qui s'est fait aspirer les cheveux par un robot aspirateur. Alors j'espère que ce sera pas comme la dernière fois et on commence. Ah mais tu déconnes ou quoi? Ce truc là, c'est une pure merveille de technologie. What? Mais tu dis que se faire aspirer les cheveux, c'est une révolution stratosphérique? Oui. Tous les jours je mange des cheveux que j'ai coupés, c'est normal non? Bah oui que c'est normal. Mon dieu, tu fais exprès ou quoi? Tiens regarde, il y a mon téléphone qui fait presque pas wifi. Mais au moins on peut téléphoner. Et ton aspirateur il est comment? Bah tu sais, il peut cuisiner des plats de la gastronomie française. Par exemple hier j'ai mangé un cheeseburger avec des papiers dedans. Je te jure c'était trop bon. Toi-même tu devrais en manger. Mais n'importe quoi. Et tu vois la semaine dernière mon aspirateur il a redécoré mon salon. Je te jure c'est trop beau à voir. Oh, moi mon plafond il est fait de sable. Mais bordel. Alors il y a un type qui a remarqué ça. Je peux remplacer une roue. Et ensuite j'avais pas de chance parce qu'il avait une Kalachnikov. Alors il a essayé de tirer dessus. Merde. Mais le plafond s'est effondré. Mais au moins il m'a permis de prendre une douche au sable. Et c'est pour ça que tu pues. Oui. Grâce au plafond. Putain mais tu as foiré le rendez-vous avec une fille. J'étais à ça de la choper. Tu as tout cassé. Mais moi je vais t'en remettre profonde. Merde, on arrête ici.